Bienvenue dans notre salle, Marcel Pagnol, pour cette traditionnelle cérémonie des vœux à la population. Je voudrais donc saluer tous les élus qui sont présents sur la scène à mes côtés, les élus municipaux, bien sûr, et puis les élus invités, Lucie Célène, donc, maire de Gomesse-le-Châtel et son premier adjoint, Franck Godard, Michel Martin, maire adjoint à Villiers-le-Bac, Yann Cochetier, maire adjoint à Gif-sur-Yvette, qui vient en voisin et ami, et Vincent Delahaye, sénateur maire de Massy, que je salue, et Claude Germont également, ancien député maire de Massy, qui vient en ami aussi. Alors, j'avais prévu, normalement, Vincent, je devais parler de toi à la fin de ton intervention. Malheureusement, tu dois partir à d'autres cérémonies de vœux auxquelles tu as répondu favorablement. Et je vais donc dire un mot avant que tu me partes, que tu partiras pendant mon intervention. Mais tu as fait l'amitié d'être là. Ce que je voulais dire, c'est que mon élection récente à la région va mettre fin à une collaboration que nous avons ensemble depuis 18 ans. J'ai eu la chance de travailler à tes côtés pendant ces 18 années comme directeur de cabinet, puis comme chargé de mission et enfin comme assistant parlementaire à mi-temps. Et bien sûr, je pars vers d'autres projets avec cette élection, mais je voulais te dire que ça a été un grand honneur pour moi de travailler à tes côtés. J'ai beaucoup appris à tes côtés. Et je m'inspire souvent dans mon action de maire de ce que tu as fait, toi, pour Massy et la façon dont tu as géré la ville, et en particulier sur le plan financier. Voilà. Donc, on restera amis, bien sûr, parce que nous sommes amis, et on restera proches. Mais voilà, je tenais à le dire, en tout cas, avant que tu ne partes, je voulais le dire pendant que tu étais là. Voilà. Mes chers amis, donc, je vous, au nom du conseil municipal, au nom de tous les élus qui sont présents, je tiens à vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année 2016, des vœux de bonheur, de santé, de prospérité, pour vous, pour vos proches, des vœux de réussite dans tous vos projets, professionnels, personnels. Et puis, je crois que nous sommes très heureux ensemble de tourner cette page 2015, de cette terrible année 2015, qui a vu des séries d'attentats en janvier et en novembre qui ont endeuillé notre pays et qui ont plongé la France dans un profond désarroi et nous ont fait connaître un drame sans précédent dans notre pays. Vous le savez, l'URE a payé dans sa chair, a souffert dans sa chair avec la perte d'un jeune Buressois qui est mort au Bataclan le 13 novembre. Et je sais que vous êtes nombreuses et nombreux ce matin ici à avoir participé à cette magnifique cérémonie au gymnase Charras, qui s'est tenue quelques jours après les événements tragiques du 13 novembre, où un millier de Buressois et de non-Buressois ont soutenu la famille de Romain dans ce drame. Et je salue d'ailleurs la présence du père Jean-Marie Burneau, qui a animé cette magnifique cérémonie, qui a été un moment de partage pour les Buressois qui a été exceptionnel. Mais il ne faut pas oublier, bien sûr, ce qui s'est passé, mais il faut aussi avancer, il faut tourner la page. Et ainsi que je l'ai dit lors de ces deux minutes de silence que j'ai dû animer en janvier et en novembre, la vie continue. La vie continue parce que nous voulons montrer aux terroristes, aux assassins, que nous continuerons à vivre et que ce ne sont pas leurs actes, même s'ils sont d'une ignominie terrible, qui nous arrêteront. La vie va donc continuer, et pour notre chère ville de Bure, la vie continuera en 2016. Aussi, permettez-moi de vous faire part de quelques sujets de réflexion de la vie locale, que je vous livrerai ce matin, et puis j'élargirai un peu le spectre pour m'éloigner un peu de Bure dans ces réflexions, mais pas trop non plus, je vous le promets, tout en essayant d'être court et synthétique. Je le promets également. Mais je vais d'abord parler de l'actualité locale. Mes chers amis, et l'actualité locale, eh bien, c'est d'abord les travaux à Bure. Parce que, vous le savez, Bure connaît des travaux très importants aujourd'hui qui gênent depuis plusieurs mois notre vie quotidienne. Il y a deux gros travaux actuellement en cours à Bure. C'est la route de Chartres et sa requalification qui a commencé il y a maintenant plus d'un an, puisque nous avons traité la portion entre Gomesse-le-Châtel
et la rue de la Vierge, et que nous avons commencé maintenant la deuxième partie qui va de la rue de la Vierge à la rue de Monget. Donc ce sont des travaux importants, puisqu'ils prévoient notamment des travaux en sous-sol, pour reprendre tous les réseaux d'assainissement, les réseaux d'eau, les réseaux électriques, l'enfouissement des réseaux aériens, et puis la couche de surface, bien entendu, qui consiste à rétrécir la largeur de la voie, donc lutter contre la vitesse des véhicules, et aménager également une piste cyclable le long de cette voie. Donc ces travaux ont démarré sur la deuxième tranche, je vous le disais, ils vont encore s'échelonner pendant plusieurs semaines, et ensuite, et les services travaillent actuellement à l'enchaînement immédiat de la troisième tranche, à savoir celle qui ira de la rue de Monget jusqu'au rond-point du Bois-Marie, mesdames et messieurs. Donc ce sont des travaux importants qui sont coûteux, puisque pour la ville, ils coûteront 1,5 million d'euros, que nous avons répartis sur trois exercices budgétaires, mais qui sont très importants. Et ce sont des travaux faits en partenariat avec la communauté d'agglomération et avec le conseil départemental qui est maître d'ouvrage de cette opération et qui en paye l'autre moitié, à savoir 1,5 million. Donc des travaux très importants, mais qui apporteront, c'est sûr, un mieux dans le cadre de vie de Bure, sauf qu'aujourd'hui, cette rue qui est très utilisée par ceux qui traversent notre ville et le Buressois, eh bien, est très encombrée, il y a des gênes de circulation, ce qui veut dire que la circulation est déviée dans des quartiers plus pavillonnaires comme Paris-Chevreuse ou la Hâtinière. Donc c'est compliqué en ce moment, c'est vrai, de circuler dans... Et puis la deuxième série de travaux qui est importante, elle est juste au-dessus de nous, c'est l'Île-aux-Mairies. Vous avez vu, les travaux ont démarré. Il s'agit de livrer sur la ville 180 logements de part et d'autre de la voie ferrée, avec la plus grosse partie du côté nord, c'est-à-dire du côté de la mairie. Actuellement, les travaux de terrassement sont en cours. Hein, il y a des rotations de camions tous les jours, vous l'avez vu, c'est très important. Et ces travaux apportent des nuisances. Alors, ils apportent d'abord des nuisances, parce que quand il y a des gros travaux d'urbanisme, il y a des rotations de camions, il y a de la saleté dans les rues, c'est pas agréable, il y a du bruit. Et puis, ils apportent aussi des nuisances à notre vie quotidienne, parce qu'ils impactent le stationnement. Et déjà, le stationnement à Bure, c'est compliqué. Donc, avec ces travaux, c'est encore plus compliqué, puisque nous avons dû supprimer le parking situé côté sud, qui accueillait les gens qui venaient prendre le RER, et nous avons dû supprimer quelques places le long de la rue du Général Leclerc, pour que Cogedim puisse installer tous ces équipements. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il est plus difficile de venir se garer à Bure, et notamment pour prendre le RER. Alors, on avait pris les devants et nous avions aménagé un parking spécifique que nous avons, dont nous avons obtenu l'accord d'université. Je remercie encore Jean-Michel Bourtieuse et Sylvie Retailleau de nous avoir permis d'utiliser ce parking par convention. Donc ce parking est à votre disposition le long de la voie Kessler. Il y a aussi des places le long de la voie Kessler. Il y a aussi des places le long du stade Chabra. Ce qui est vrai, c'est que ces places ne sont pas aussi près du RER que l'était évidemment le parking. Donc il faut prendre notre mal en patience. D'autant plus que, je le rappelle, la livraison de l'Île-aux-Mairies se fera fin 2017, mesdames et messieurs. Fin 2017. Ce n'est pas donc pour tout de suite, il y a deux ans, à supporter ces travaux et ces aménagements. Mais au final, ce sera, je pense, un plus, un vrai plus pour le cadre de ville Bure, pour la dynamisation de notre petit cœur de ville. Et puis, n'oublions pas qu'en plus de ces logements, Cogedim livrera à la ville un parc public de 2500 m², un parking souterrain public de 100 places et une médiathèque flambant neuve, brute de béton, mais qui appartiendra à la communauté d'agglomération d'aménager. Voilà, donc pour ces travaux qui, je le sais aujourd'hui, gênent le nombre d'entre vous, d'abord les habitants, les riverains du centre-ville, et puis aussi qui gênent aussi les gens qui veulent venir profiter des commerces du centre-ville. Maintenant, je voudrais vous faire part de deux ou trois sujets de réflexion qui, aujourd'hui, sur lesquels nous travaillons avec toute l'équipe municipale. D'abord, un projet, c'est la rénovation de la grande maison. Le projet est lancé et nous allons vraiment nous mobiliser sur les deux ou trois ans qui viennent pour rénover cet équipement. Je sais que vous l'attendez tous, vous m'en avez parlé à de nombreuses reprises et nous allons mener à bien cette opération de réhabilitation qui est lourde, hein, 3 millions d'euros pour la ville. Donc nous allons solliciter le maximum de subventions pour cet équipement et en faire un véritable équipement ouvert sur la ville, un prolongement du centre-ville. Et cela contribuera aussi à dynamiser le centre-ville.
Je le rappelle, la grande maison doit accueillir des salles pour la ville, notamment une salle des mariages qui fera aussi office de salle de cérémonie et de salle de conseil municipal, des salles pour les associations, de façon à ce que les associations burestoises puissent, sur demande auprès de la mairie, utiliser une des salles pour leurs activités traditionnelles ou pour leurs actes administratifs comme une assemblée générale, un conseil d'administration. Et puis, nous allons également réinstaller le foyer Geneviève Miclès dans lequel l'amicale des retraités a toutes ses activités. Et puis, nous installerons également un restaurant. Je sais que vous êtes nombreux à attendre de pouvoir passer un moment convivial dans la grande maison, aux abords du parc, que ce soit l'hiver ou l'été, de préférence, bien sûr, l'été. Voilà donc pour ce projet qui est en cours. Les architectes travaillent d'arrache-pied sur l'élaboration de ce projet, avec une contrainte, c'est que nous sommes dans un site classé et protégé, et que le travail avec l'architecte des bâtiments de France doit être très fort. Il doit y avoir une relation extrêmement forte avec le service des bâtiments de France. C'est ce qui se passe actuellement. Nous aurons l'occasion, quand nous aurons avancé un peu plus avec l'ABF, de faire une présentation aux associations et au public burestois de l'avancement du projet pour recueillir les avis de chacun avant d'aller plus loin. Je voudrais aussi vous dire que nous allons lancer en ce début d'année une révision du plan local d'urbanisme. Voilà. Le moment est bienvenu pour le faire, puisque notre ancienne révision datait de 2010 et des éléments nouveaux nous conduisent à entamer cette réflexion avec les habitants. La première, c'est que la loi Allure, qui a été adoptée il y a quelques mois, pose de nouvelles conditions sur les plans locaux d'urbanisme, et notamment, à une conséquence, elle supprime l'ICOS, le coefficient d'occupation des sols. Ce qui nous amène aujourd'hui à sûrement réadapter nos règles d'urbanisme à cette disposition, puisque en 2010, nous avions décidé avec les habitants qu'il convenait plutôt de densifier le cœur de ville et de protéger les zones pavillonnaires. Et la suppression de l'ICOS peut avoir des conséquences sur cette protection des zones pavillonnaires. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il nous paraît aujourd'hui intéressant de relancer une réflexion avec les habitants sur la vision que peut porter notre ville sur les 10, 15, 20 ans qui viennent. Je pense que c'est intéressant régulièrement de se reposer la question et d'avoir une réflexion ensemble avec les habitants, les associations de cadre de vie sur ce sujet. Donc voilà le travail que nous mènerons également. Et puis, je vais vous dire un sujet du budget. Que nous travaillons actuellement avec l'équipe municipale à l'élaboration de ce budget 2016 qui se fait dans un contexte difficile. Je veux à nouveau vous en parler puisque je vous en ai parlé l'année dernière et régulièrement le magazine municipal se fait l'écho de la situation financière de la ville et je veux quand même vous en redire un mot puisque nous sommes actuellement au cœur du typhon. Pourquoi au cœur du typhon? Parce que le typhon repose sur 3 années durant lesquelles l'État baisse considérablement ses dotations aux communes dans le cadre du plan national d'économie sur les dépenses. Et ces baisses considérables sur 2015, 2016, 2017 ont considérablement impacté les finances des collectivités locales. Pas seulement des communes, régions, départements, communautés d'agglomération, communes. À Bure, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Entre 2015 et 2017, nous perdrons 700 000 euros de dotation de l'État. 700 000 euros. Et parallèlement à cela, nos dépenses de péréquation, les dépenses de péréquation, ce sont les dépenses de solidarité, puisque l'État a estimé que Bure est une ville riche, donc on nous demande de donner de l'argent à Bercy. Bercy le passe dans une moulinette géante et le redistribue à des villes qui sont estimées comme pauvres. Donc c'est très bien, moi je suis pour la solidarité entre les communes, toujours est-il que sur 3 ans, c'est 150 000 euros de dépenses de péréquation supplémentaires qui vont nous être demandées. Et sur 2016, puisque c'est le budget qui nous occupe actuellement, nous perdrons en dotation de l'État 220 000 euros, auxquels il faut ajouter une augmentation des dépenses de péréquation de 80 000 euros par rapport à l'année dernière, ce qui fait 300 000 euros de manque à gagner, ce qui veut dire que cette année encore, nous allons devoir baisser les dépenses de fonctionnement. Et baisser les dépenses de fonctionnement, c'est forcément à un moment ou à un autre toucher aux services aux habitants. Nous devons toucher aux dépenses de fonctionnement si nous ne voulons pas trop mettre en péril l'endettement et la fiscalité. Alors, la nouveauté pour cette année, c'est que l'année dernière, nous avons pu baisser les dépenses de fonctionnement sans toucher à l'investissement, mais cette année, nous allons devoir toucher aussi aux travaux d'investissement.
tout simplement pour ne pas trop mobiliser l'endettement, puisque Bure est une ville qui n'est pas trop endettée, heureusement, nous avons même plutôt désendetté la ville depuis 7 ans, mais si nous ne voulons pas faire appel à la fiscalité, il nous faut maîtriser considérablement l'endettement. Alors bien sûr, certains d'entre vous viennent me voir pendant l'année en me disant « Vous ne payez plus ça, vous ne subventionnez plus ça. » On peut le faire, mesdames et messieurs. On peut continuer à faire toutes ces dépenses. Le problème, c'est qu'il nous faut des recettes supplémentaires. Et je ne connais qu'un moyen d'obtenir aujourd'hui des recettes supplémentaires. Mais vous aussi, vous connaissez. Voilà, donc pour ce point rapide sur les finances. Et puis, je voudrais dire un mot sur un équipement buressois qui a été inauguré cette année et qui connaît un succès de plus en plus important, c'est notre station de trail, mesdames et messieurs, que nous avons inauguré au mois de mars, qui est un équipement formidable qui permet à de nombreux buressois de pratiquer la course ou la marche, puisqu'il y a même une association de marche nordique qui s'est créée cette année, et je sais qu'il y a de nombreuses personnes dans la salle qui pratiquent la marche nordique, et qui permet à des gens de communes voisines de venir pratiquer les sentiers de notre station de trail, qui, je le rappelle, est à l'image d'une station de ski. On a balisé des sentiers qui sont de difficultés de couleur bleue, de difficultés supérieures de couleur verte, de difficultés encore supérieures de couleur rouge, et qui permet, dans cet environnement exceptionnel de la vallée de Chevreuse, de pratiquer ce sport, soit en marchant, soit en courant, en se faisant plaisir, sans dénaturer les chemins. Et je tiens à vous dire, mesdames et messieurs, que nous avons pu réaliser ce projet, ce magnifique projet, parce que nous avions des bénévoles qui présentent aujourd'hui une réelle expertise, une vraie connaissance du terrain. Et je veux citer Patrick Pulanger qui est là, hein, avec son équipe Turum, je veux citer les joggeurs du dimanche. Sans eux, nous n'aurions pas pu faire cet équipement. Voilà. On n'aurait pas pu réaliser cette station de trail, qui, je le rappelle, en matière de coût, n'est pas du tout à l'échelle d'un équipement sportif. Refaire un gymnase, refaire une salle de sport, c'est 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros. Notre petite station de trail, nous avons pu la mettre sur pied avec 42 000 euros et nous rendons heureux des centaines de personnes. Et j'en veux pour preuve le mois de décembre où nous avons organisé notre première course de nuit, hein, Patrick. Le trail qui s'appelait à la poursuite du Père Noël et qui a remporté un énorme succès puisqu'on a joué à guichet fermé, on a vu refuser du monde. Et du coup, nous allons travailler à la mise en place d'une nouvelle course. Je tiens d'ailleurs à dire qu'avec Franck Godard, vice-président de la communauté Paris-Saclay chargée des sports, qui lui aussi travaille sur les courses à Gomès, on va réfléchir aussi à des mises en réseau sur le territoire pour élargir encore notre petite station. Voilà, en tout cas, c'est un projet magnifique et je voulais en dire un mot. Je voulais aussi dire que les services municipaux s'occupent, les services des sports notamment, fait un travail remarquable avec Omar Sissoko sur cette station de trail, qui m'amène aussi à vous dire combien je tiens à remercier les services pour leur engagement quotidien dans tous les secteurs de la vie locale. Je vois Florence Pisano au fond, directrice générale des services. Merci Florence pour le travail que vous faites avec toutes vos équipes tout au long de l'année. C'est formidable. Mesdames et messieurs, voilà pour les quelques sujets très très locaux. Maintenant, je voudrais juste élargir quelques instants le spectre et vous parler d'intercommunalité. Puisque jeudi soir, il y a donc à peine 48 heures, les deux communautés d'agglomération Paris-Saclay, la 4 communauté d'agglomération du Château-Saclay et Europe-Essonne se sont réunies dans une même salle et ont fusionné en créant la communauté d'agglomération Paris-Saclay, qui donc comprend aujourd'hui 27 communes et 300 000 habitants. C'est donc une taille importante pour cette communauté d'agglomération. Nous nous mettons en conformité, bien entendu, avec la loi, puisque la loi MAPTAM de janvier 2014 demandait à toutes les communautés d'agglomération de deuxième couronne d'atteindre le seuil de 200 000 habitants. C'est fait aujourd'hui. C'est un énorme travail qui est en cours et qui a démarré il y a un an. Entre les maires des 27 communes, nous avons fait de très nombreuses réunions entre nous. On a appris à se connaître, on a appris à travailler ensemble, et nous avons aussi appris ce terrible devoir de convergence des idées et des points de vue. Pourquoi ? Parce que ces deux communautés d'agglomération, finalement, ont des histoires extrêmement différentes. Et je crois que Vincent est parti, mais il présidait Europe-Essonne, et elles vivent sur des histoires très différentes. Et
des intégrations très différentes. La CAPS, par exemple, est une communauté d'agglomération qui a beaucoup travaillé sur l'intégration, sur la vie quotidienne, en transférant plusieurs compétences, la voirie, les médiathèques, les déchets ménagers, les conservatoires. À l'inverse, Europe-Essonne a plutôt travaillé sur des sujets de développement économique et de transport. Donc, en redistribuant de l'argent à ces communes. Donc, il fallait trouver un accord sur le pacte financier et fiscal qui a nécessité de longues discussions qui ne sont pas encore terminées, mais c'est vrai que toutes ces réunions ont permis aux élus de se connaître, de travailler ensemble. Et en tout cas, on sent maintenant qu'il y a une volonté de coopération de part et d'autre. Alors, sachez que les premiers mois, les premières semaines de l'année 2016, vont consister à la nouvelle communauté Paris-Saclay de travailler à son projet de territoire, c'est-à-dire penser à, sur ce même territoire, qui est un territoire, reconnaissons-le, exceptionnel. Nous avons de la chance de vivre sur ce territoire avec un fort potentiel de développement économique, d'enseignement supérieur, de recherche, et bien de travailler à un projet englobant l'ensemble du territoire et tirant notre intercommunalité vers le haut. Et c'est tout le travail que nous mènerons. Et donc, c'est Michel Bournin, mon collègue de Gif-sur-Yvette, qui a été élu haut la main dès le premier tour, jeudi soir, président de Paris-Saclay. Et je tiens vraiment à lui rendre hommage parce que, d'abord, ils se sont bien entendu mis d'accord avec Vincent Delahaye. C'est ce que nous souhaitions, c'est qu'il y ait un accord entre les deux présidents. Et ensuite, parce que la façon dont Michel a géré la CAPS depuis 2 ans maintenant est tout à fait remarquable. Tant dans sa rigueur dans la gestion, la clairvoyance de ses choix et sa volonté de travailler en équipe. Donc c'est une vraie satisfaction pour les élus qui repartent à ses côtés. Et donc pour ce qui me concerne, c'est Irène Besongle et moi-même qui aurons la charge et l'honneur de travailler au niveau de l'intercommunalité. Je voudrais vous dire également un mot du SIOM, du syndicat intercommunal des ordures ménagères. J'ai eu la chance de présider depuis 1 an et demi pour le compte de la communauté d'agglomération. Pour vous en dire un mot, tout simplement, parce que d'abord, le SIOM a vécu une période un peu compliquée à la fin de l'année, parce que une des conséquences de la loi NOTRe qui réorganise la République et ses collectivités locales, c'est que purement et simplement, au 31 décembre dernier, le SIOM a disparu. Voilà. Aujourd'hui, le SIOM n'existe plus. C'est une bizarrerie de la loi, mais fort heureusement, on s'était occupé au cours des derniers mois et des dernières semaines de l'année de faire en sorte qu'au 1er janvier, les poubelles soient toujours ramassées sur le territoire, ce qui est le cas encore aujourd'hui. Et nous sommes en train de travailler, bien entendu, à la création d'un nouveau syndicat qui reprendra les contours actuels du SIOM avec quelques communes de l'ancienne communauté Europe-Essonne, voilà, qui ont perdu également la compétence des chiffres. Je ne veux pas rentrer dans des détails trop techniques. Mais je voudrais vous parler de 3 projets sur lesquels nous travaillons actuellement et qui vont impacter notre vie quotidienne dès 2016 pour certains d'entre eux. Alors le premier est un peu plus long terme, il s'agit du projet de création d'une nouvelle déchetterie sur le territoire du SIOM. Parce que la déchetterie que vous connaissez qui est actuellement sur le site de Villejuste est arrivée à saturation. On fait souvent la queue pour y arriver. Donc nous allons en installer une deuxième sur le plateau de Saclay et, selon toute vraisemblance, sur le périmètre de l'opération d'intérêt national, au cœur vraisemblablement de la ZAC Polytechnique, un endroit qui devrait être situé à la pointe de Saclay et de Palaiseau. Et nous travaillons en étroite relation avec les centres d'enseignement et de recherche pour mutualiser cette future déchetterie. Et il y a un vrai travail de partenariat avec les centres d'enseignement et de recherche qui est très intéressant. La nouveauté aussi, c'est que nous allons adjoindre à cette déchetterie une ressourcerie pour réaliser un vrai travail sur l'économie sociale et solidaire et permettre aux habitants de trouver des services très intéressants dans le cadre de cette ressourcerie. Donc c'est un projet évidemment qui ne verra pas le jour en 2016, mais sur lequel nous travaillons en priorité. Et puis, 3 projets dont je voudrais vous parler qui concernent la collecte. Le SIOM a répondu à un appel à projet de notre partenaire Eco-Emballage pour l'amélioration de la collecte, notamment du verre et des emballages. Et nous avons remporté haut la main cet appel à projet, ce qui va nous permettre de doter tout le territoire du SIOM de bennes à verre
de conteneurs à verre en nombre supérieur, car nous avons besoin aujourd'hui sur tout le territoire de conteneurs à verre supplémentaires, enterrés ou semi-enterrés, et nous allons percevoir une subvention très importante d'éco-emballage pour munir de ces conteneurs à verre. Le deuxième volet de cet appel à projet concerne les emballages et l'extension des consignes de tri. Ce qui veut dire que dès 2016, plutôt au milieu de l'année, au début du deuxième semestre 2016, nous allons tous, dans nos cuisines, trier les pots de yaourt, les emballages, nous allons les mettre dans le bac jaune. Le tri sera effectif dans le bac jaune. Et notre prestataire de tri, la société Paprec, est en train, en ce moment même, de construire une nouvelle chaîne de tri au Blanc-Mesnil pour accueillir, dès le milieu de l'année prochaine, ce nouveau tri. Éco-emballage subventionne très fortement Paprec pour la construction de cette chaîne de tri et subventionnera le CIOM à hauteur de 800 euros la tonne pour la mise en œuvre de ce tri. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant et c'est une amélioration sensible de la collecte du tri pour nos communes. Donc on va lancer une importante opération de communication, d'information de nos populations dans le courant du premier semestre 2016. Et puis, un troisième travail sur la collecte va être mené, pas sur toutes les collectes, pas toutes sur les villes du territoire. Il s'agit de la collecte des encombrants. On ne peut plus continuer avec ce système de la collecte des encombrants qui apporte de nombreuses nuisances, et en particulier dans les quartiers pavillonnaires. Cela vaut pour Bure, mais cela vaut pour toutes les communes de la communauté du territoire du Sion. On a donc lancé un travail en interne pour regarder un peu quelles étaient les possibilités, et beaucoup de territoires utilisent la collecte sur rendez-vous. Donc nous avons demandé à notre prestataire de créer un espace d'essai sur 4 ou 5 villes du Sion pendant un an et demi, de façon à tester la collecte pour rendez-vous. Et Bure fera partie des villes qui vont être mises à l'essai à partir de 2016 par notre prestataire. Et la collecte se fera sur rendez-vous, c'est-à-dire que nous appellerons le CIOM lorsque nous voudrons faire ramasser nos encombrants et nous prendrons un rendez-vous avec le CIOM. Et c'est le CIOM qui demandera au prestataire de venir faire cette collecte. Ce qui veut dire que nous n'aurons plus, avec les dates de ramassage des encombrants, dans les magazines municipaux, ce qui entraîne les allées et venues que vous avez fait, de véhicules en tout genre qui passent 3-4 jours avant les opérations de collecte. Nous allons le mettre donc à l'essai sur 4 communes du territoire, tout simplement parce qu'en 2017, ce sera l'année du renouvellement du contrat de collecte. Et si l'essai est concluant, ben nous intégrerons dans le nouveau contrat de collecte la généralisation de cette collecte sur rendez-vous pour les encombrants. Voilà. Et puis, dernier point concernant le CIOM, ce travail sur le tri, sur la collecte, eh bien, nous allons pouvoir aussi le délivrer aux enfants du territoire, de nos écoles, puisque lors des vœux du CIOM le 26 janvier, nous allons inaugurer l'espace pédagogique sur le site plein du CIOM, qui est un équipement formidable pour les enfants et pour leur apprendre dès le plus jeune âge les gestes du tri, les gestes du traitement, de la valorisation, un outil exceptionnel au service des enfants. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur le CIOM, et puis je voudrais terminer, j'ai ouvert la cérémonie sur ce sujet, puisque Vincent Delahaye devait partir, je voulais vous parler de la région. Donc, il y a eu des élections régionales, vous le savez, en décembre. J'étais candidat moi-même sur la liste conduite par Stéphane Baudet, maire de Courcouronne, et plus largement sur la liste conduite par Valérie Pécresse, et j'ai été élu le 13 décembre conseiller régional. C'est un grand honneur pour moi, et je compte m'investir dans ce nouveau mandat avec beaucoup, beaucoup de volonté, et de travailler sur tous les sujets qui concernent la région. Et la région, notamment les sujets qui aussi peuvent impacter notre vie quotidienne, le développement économique, les transports, l'environnement, les déchets ménagers, l'emploi, la formation. Donc je vais m'investir sur cette nouvelle tâche, au détriment d'autres, je le disais au début de cette intervention, mais je tiens aussi à vous dire que je resterai avant tout maire de Bure-sur-Yvette, et que d'abord, mon mandat, ce sera celui de maire de Bure pour m'occuper de
de notre ville et de ses habitants. Voilà. Je vous le dis très clairement ce matin, puisque j'ai entendu de ci, de là, certaines personnes s'inquiéter, de dire on va moins vous voir, soyez-vous encore là. Donc je vous le dis tout net, je serai toujours là, vous pourrez toujours m'apostropher, m'arrêter, m'engueuler quand vous le souhaitez, pour que la démocratie avance, comme vous le faites toujours. Et je suis toujours très attaché, en tout cas, à poursuivre ce dialogue avec vous, donc je serai bien présent. Voilà, je voudrais remercier, avant de conclure, tous les élus qui m'entourent, les élus de l'équipe municipale qui font un travail formidable à nos côtés et qui sont très présents, très engagés, très dynamiques, les élus de l'opposition aussi qui font le job. Et je voudrais, pour conclure, vous souhaiter à nouveau mes meilleurs voeux, des voeux chaleureux, parce que nous avons, je crois, besoin de chaleur, des voeux d'amour, parce que nous avons aussi beaucoup besoin d'amour. Et puis je nous souhaite une année républicaine et fraternelle. Très bonne année à toutes et à tous.